Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de balade. J'étais en balade avec ma fille aînée, on a fait une petite sortie mère et fille et j'ai commencé à filmer en route. Nous sommes rentrés, je me suis dit, je vous partage les images de ce que j'ai filmé. Et quand vous allez finir d'enjoy ces images-là, ensemble, on va emballer les cadeaux. On a fait quelques achats. Il y a ce que mon aîné a vu, mais la petite n'a pas vu. On va emballer et mettre sous le sapin. Mais ça sera après, quand elles vont dormir. C'est vrai que là maintenant, elles sont en train de dormir, mais elle va se réveiller d'un moment à l'autre. C'est qu'elle est sûre qu'elle va entendre nos voix. Donc les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager. Et désolé pour tous les bruits dans cette vidéo. C'est vrai que la nuit est en train de tomber, mais il y a des enfants qui sont encore en train de jouer dehors. Donc désolé pour les bruits, les amis. Alors, vous verrez dans la vidéo qu'on s'est baladé, pas mal baladé, parce que c'était vraiment important que je fasse une sortie avec elle, uniquement elle, parce qu'elle me seconde beaucoup et il fallait qu'on sorte un peu se divertir. Donc, enjoyez la vidéo et on se retrouve juste après. Il était temps que je fasse une sortie mère et fille avec ma fille aînée, uniquement elle et moi, parce que ça faisait longtemps, longtemps depuis qu'elle a fait son apparition dans nos vies. Ensuite, le bébé, je ne suis plus jamais sortie avec elle, uniquement elle. Vraiment, on sort toujours ensemble. Et je me suis rendu compte qu'elle en demandait. Et j'ai profité des congés parce que ma cousine est à la maison, ma nièce aussi est à la maison. On leur a laissé le bébé pour sortir avec Eleora, ma fille aînée. Nous sommes allés au marché central. Elle a vu à quoi ça ressemble. On a regardé les jouets et elle était trop contente de parcourir le marché et de voir un peu l'ambiance de l'extérieur pendant les fêtes de Noël. Là, nous sommes allés à Maïma et ce sont les guirlandes dont je vous parlais la dernière fois. Les guirlandes que je préfère pour cacher un peu les vides dans le sapin. Par contre, les autres guirlandes bling-bling là, je ne suis pas très fan. Nous avons regardé des jouets et nous avons acheté ce qu'on pouvait. Encore que moi, en tant que maman, je ne conseille pas trop de remplir la maison des jouets. Achetons ce que nos enfants peuvent utiliser. Parce que on finit par se rendre à l'évidence que ce n'est pas trop avec les jouets que nous leur avons achetés qu'ils jouent. Mes enfants jouent avec mes cuillères, mes assiettes. Elles jouent avec les boîtes de lait vides, les cartons de médicaments. Pourtant, je leur achète bien des jouets. Du coup, je m'abstiens de dépenser déjà un argent que je n'ai pas assez sur beaucoup de jouets. Nous avons profité pour que ma fille visite Maïma. Elle découvre le supermarché. Nous avons même d'abord commencé par Bricolux pendant qu'on était au marché central, mais là-bas je n'ai vraiment pas filmé. Ensuite, nous sommes allés à Carrefour faire quelques petits achats pour lui faire plaisir. Tu as pris la même chose. Ce que tu as pris, c'est quoi? Prends alors pomme poire. Elle prenait des choses et je décidais d'acheter. Heureusement qu'elle est tellement consciente des poches de sa mère. Tu as pris quelle? Pomme poire. Je préfère pomme banane. Tiens, ne mange pas la. Bien sûr. Tu fais les courses. Avance. Comme ça là. On regarde les lingettes. Cette balade a fait tellement de bien à ma fille. Quand nous sommes rentrés, ma fille était tellement contente, tellement joyeuse que je me suis dit pourquoi je ne fais pas ça depuis. Nous avons passé un super moment et après notre balade, nous sommes rentrés et elle ne faisait que raconter à ses soeurs comment elle est sortie, comment elle s'est baladée. Non, mais j'étais trop contente.
Vraiment, quand on a des enfants heureux, nous-mêmes, nous sommes heureux. Vous avez dit qu'on ne prenne plus les lingettes ici. En tout cas, il n'y a même pas. Il n'y a même pas les lingettes, mon cher. Avant, ça n'allait pas. Bon, tu as déjà un de l'eau. Tu vois la différence de prix, c'est ça qui te plaît. C'est la bouteille là qui te plaît. Non, c'est la bouteille là qui te plaît, tu prends. Voilà, regarde la différence. Si c'est la bouteille là qui te plaît, on prend. Oui. Qui t'a dit que avance la caisse. Cherchez une caisse, il n'y a pas trop les gens. Aligne-toi ici. Il n'y a pas trop les gens ici. Aligne-toi là. Voilà ici. Regardez-moi la dame ici là. Elle a fini de saccager son lit là-bas. Elle vient se coucher dans ma chambre. Jusqu'à le sommeil, la prend, elle est. De retour à la maison, ma soeur avait fait du bon au coq, le coq sucré de Yaoundé. J'aime ça, mais je ne sais pas cuisiner. Donc quand je veux cuisiner, je fais le dépôt à ma soeur, elle fait le marché, elle pile les noix, tout. Elle vient seulement cuisiner. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé ça, j'ai dit, je mange avant de faire autre chose. Les enfants, on prend la queue, tu me mets ici. La queue. Mais même à la couchette, mes filles. Tu as raison. Et si la queue, et si ça va alors? Viens me donner le grand jus. Tonton Junior mange, au lieu de partir même avec pour moi, Sido, il ne part pas avec. Viens avec le jus là. On se retrouve pour la suite de notre vidéo. Maintenant que tout le monde dort, je peux emballer les cadeaux et laisser sous le sapin. Et même si ma fille aînée a vu certains, ça pourra toujours faire l'effet waouh le matin quand tout sera emballé. Donc, voilà tout ce que je vais utiliser. Les cartons et les petits cadeaux là. Je vais vous montrer. Je termine d'abord mon thé de clou de girofle ici là. Les amis, j'ai une toux là qui ne veut pas finir depuis quelques jours. Ça me gâche la voix. C'est déjà une semaine. Une semaine. Peut-être 9 jours comme ça. Ça me gâche la voix. Et c'est difficile de travailler avec ce genre de voix. Je pense que les créateurs de contenu devraient même vocaliser comme les musiciens là, vraiment. Parce qu'avec le genre de voix-ci, moi-même quand je parle, ça sonne un genre dans ma tête. Bon, on s'assoit et on emballe les petits cadeaux, puis on va dormir. J'éteins la lumière du sapin-ci pour ne pas oublier ça en allant dormir.
C'est toujours mieux d'éteindre toutes les lumières, les décorations, les jeux de lumière. Hein. Avant d'aller non, avant d'aller dormir. Donc ici, ce sont les papiers que j'avais reçus. Je vais utiliser ça pour emballer. J'ai acheté les nœuds verts. C'est pas très vert comme mon thème, mais c'est ce que j'ai pu trouver. Et ici, il y a les petits cadeaux là. Là, j'ai pris les appareils photo. À l'intérieur, il y a des images. Ici, c'est la Reine des Neiges, Frozen. À l'intérieur, il y a des images, plusieurs images du film Frozen. Que quand l'enfant éteint dans sa chambre et appuie, ça projette sur le mur. J'ai pris 4, j'ai pris 5. Vu que j'ai directement acheté en gros, j'ai pris 5. Et il y a aussi pour mes nièces, parmi. Les téléphones. Les enfants aiment beaucoup jouer avec nos téléphones. Du coup, je leur ai pris ceci. J'ai aussi pris 5. Parce que c'était le minimum pour avoir le prix de gros. Du coup, il y aura pour mes filles, ma nièce et mon neveu. Voilà. Là, j'ai pris les micros. Là, c'est uniquement pour mes filles. Micro pour le karaoké. Elles aiment beaucoup chanter. Bon, ici, je vais emballer la chaussure de Elsa. C'est sa chaussure pour les fêtes. J'ai pris noir pour que après les fêtes, elle puisse aller à l'école avec. Ça ne sert à rien de prendre une chaussure couleur et que après les fêtes, ça ne serve que pour le culte. Alors qu'elles ont déjà les tennis et les pieds nus de couleur pour aller au culte. J'ai pris noir. Je vais aussi emballer. Les ciseaux là. Ici, j'ai caché les ustensiles de cuisine. J'ai caché pour qu'elles ne voient pas. J'avais déjà scotché, mais je vous montre quand même. Ce sont des ustensiles grande taille pour leur cuisinière, pour leur kitchenette là. Les autres étaient trop petits. Du coup, j'ai pris ceci. Je vais tout emballer. J'avais les ciseaux ici. Et je sais pas. J'ai trouvé le scotch. J'ai retrouvé le scotch. Et je mets le chapeau de Noël. La mère Noël emballe les cadeaux. J'ai mis mon chapeau de Noël pour faire la mère Noël stylée qui emballe les cadeaux. Bon, je vais me poser devant le dernier vlog du Prisca. Regardez la connexion chez nous, comment ça tourne. Vlog 12. Regardez comment ça tourne. Motivation ménage pour les fêtes. Ah, j'aime bien la motivation ménage. On se prépare pour l'arbre de Noël de Enzo. Vlog max 12. Ça fait 3 heures de temps que c'est en ligne. Donc. Je regarde ça en emballant. Je vais commencer par le grand là. Je commence par le grand. Parce que c'est ça qui risque de me déranger. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence. Vous avez vu ces cadeaux, les amis, c'est vraiment des choses très simples, vraiment symboliques. Chacun fait à la hauteur de ses moyens, étant donné que mon frère et ma soeur vont certainement leur offrir un petit quelque chose comme à chaque fois, à chaque année. Donc chacun fait à la hauteur de ses moyens, mais je sais que ce qu'elles ont si ça va les rendre heureuses, surtout leur mamie pour pouvoir cuisiner sur leur kitchenette qu'elles ont depuis. Belle vidéo, mais elle était courte. On like et on commente.
Maintenant, je m'en vais sur la chaîne de Jazz Nomade. Jazz Nomade, où es-tu? Il y a quelque chose que YouTube peut faire. J'ai vu son vlogmas 17, j'ai vu le 16, je n'ai pas vu le 15. Non, j'ai vu, je revois. Ça, c'est la tête que mon mari fait. C'est ça même la mère. Non mais franchement, le cadeau me dépasse à emballer et du coup je fais le papotage. Mais franchement, quand je regarde les vidéos de Jazz Nomad, je suis toujours en train de parler, genre comme si j'étais en train de lui répondre. Je l'aime trop. Dans ses vidéos, quand elle parle, elle envoie souvent des petits conseils là que vraiment. Si on écoute avec attention, on va améliorer des choses chez soi. On va améliorer des choses chez soi. C'est pas parce qu'on a 50 ans que on n'est plus amoureuse. Hein. Tu sens une remède qui est amoureuse. C'est-à-dire que maman, l'amour te fait. Ceux et celles qui découvrent ma chaîne, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, un peu de décoration, gérer son budget, des retours de course. Bref, tout ce qui tourne autour de la vie de maman. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, restez scotché sur la chaîne. Mais sachez que cette voix, ce n'est pas ma voix d'habitude. J'ai une toux là, une toux têtue qui ne veut pas me laisser et ma voix souffre. J'ai pris l'eau chaude citronnée, l'eau chaude avec les clous de girofle comme je fais depuis quelques jours. J'ai pris des sirops, des antibiotiques même, mais jusque-là. En réalité, je ne tousse même plus. Hein. Je ne tousse plus, mais la voix ne revient pas. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à partager avec moi parce que je suis fatiguée de vous servir cette voix-ci. Bon, voilà, est-ce que ce n'est pas beau? Il va rester ceci. Et mon mari m'a rejoint après avoir mis bébé au lit. Et voilà son look. Voilà son style. Symétrie. C'est maintenant que je me rends compte que j'ai oublié certains cadeaux. Ici, c'est pour ma fille aînée. C'est un parfum. Ici, c'est pour ma deuxième. Et là, c'est pour ma cousine. Pour ma cousine princesse. Pas assez de cartons. J'ai complètement oublié que j'avais acheté ceci. Complètement. Oh là là. Quand on achète les cadeaux et on cache, c'est ce qui arrive. Donc voilà, on a terminé. Et j'ai directement rangé sous le sapin. Chacun y trouve son compte. Le petit de devant, si, c'est pour le voisin dans mon quartier. C'est un petit garçon qui aime trop mon père. Je vais remettre ça à mon père pour que mon père lui donne. Il s'appelle Ézéchiel. J'ai écrit son nom dessus. Ici, c'est pour ma... Comment je vais l'appeler? La fille, la petite fille de la tante de ma mère qui est décédée récemment. En tout cas, ma nièce. Là, il y a pour ma nièce, même, dans la fille de ma petite sœur.
En haut, il y a pour ma cousine princesse son parfum. Là, il y a pour qui encore là? Pour mes filles. Bref, chacun trouve son compte. Et ce que vous avez vu, c'est tout ce qu'on a emballé. Et je suis sûre que mon petit frère et ma petite sœur vont encore leur faire des cadeaux. Je suis sûre, ils font ça chaque année. Vous savez, les tontons et les tatas qui n'ont pas encore d'enfants là. À la rentrée scolaire, ils achètent les fournitures comme les parents. À Noël, ils achètent les cadeaux comme les parents. Mais dès qu'ils auront leur propre enfant, ils ne vont plus acheter pour les enfants de la famille comme ils le faisaient quand ils n'avaient pas encore les enfants. Pour l'instant, mes enfants profitent. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci les amis d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre un cœur pour me montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de me motiver. C'est vous la force. C'est grâce à vous que malgré ma voix bizarre, je parviens à continuer à venir quand même vous parler. Donc portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Une fois de plus, joyeux Noël chez vous!